Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un peu particulière, on va dire ça. En gros, avec cette vidéo, j'aimerais vous proposer quelque chose à faire avec vous. Donc en fait, j'aimerais faire on a échangé nos maisons. Alors si vous ne connaissez pas le concept, échanger le maison. De base, on est deux youtubeurs, on fait chacun de notre côté une maison assez horrible, qu'on s'échange et qu'on doit réaménager, améliorer, etc. Faire en sorte que ce soit quand même pas trop mal. Mais la seule contrainte, c'est qu'on n'a pas le droit du tout de supprimer les murs, de bouger les murs. Mais sinon, il n'y a pas de restriction au niveau du budget, on peut faire le thème que l'on veut, dans le monde que l'on veut, etc. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire ça avec vous. C'est-à-dire que moi, là tout de suite, je vais faire quelque chose, une maison assez bizarre et que je vais vous mettre dans la galerie et donc je vous laisserai un certain temps pour essayer de la réaménager. Donc je vais vous faire une maison, enfin un truc, voilà, un truc, je sais même pas si c'est une maison. Et ce sera à vous de faire quelque chose, de réaménager tout ça sans bouger les murs. Mais vous avez le budget que vous voulez, tout ce que vous voulez. Pour remettre à neuf cette chose. Et donc je vous laisserai, je sais pas combien de temps je vais vous laisser, mais au moins un mois, donc vous inquiétez pas pour ça. À l'heure actuelle où je finis la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, donc je mettrai soit sur le montage à l'écrit combien de temps vous aurez, soit dans la barre d'infos ou dans les commentaires, enfin regardez un peu tout ça. Et je regarderai toutes vos créations, tous les résultats en live ou en vidéo, ça dépendra. J'aimerais beaucoup en live et pourquoi pas voter pour la maison qui est le plus réussi, on va dire. Vous pouvez vraiment faire de tout, vous n'êtes pas obligé de faire une maison, vous pouvez faire un terrain communautaire aussi, peu importe, hein, dans n'importe quel monde, n'importe quel budget, tant que vous respectez le fait que vous ne pouvez pas bouger mes murs. Donc j'espère que ce petit défi va vous plaire et j'ai créé tout de suite ma petite horreur. Donc c'est parti! Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. Je vais faire vraiment de l'improvisation totale. Voilà, bon, attendez, je vais rajouter de la déco quand même. Ma petite touche perso, la déco, vous pouvez la supprimer, il n'y a aucun souci. Là, on va le partager ici en terrain, donc je vais l'appeler donc mon idée c'est Elantia ou Elantia 27 je crois, et donc c'est échange maison tout collé à beau, voilà, et je vais le mettre dans les hashtags aussi. Je vais le partager maintenant dans la galerie. Donc n'hésitez pas à aller fouiller mon profil si vous ne le trouvez pas. Enfin voilà, je crois que c'est tout, hein. Je vais pas rajouter plus. Donc je vous rappelle que vous pouvez tout modifier, vous pouvez supprimer les figurines, il n'y a pas de souci, et canards, modifier le sol, changer de terrain, budget que vous voulez, etc. Juste vous ne pouvez pas bouger ces murs-là, vous ne pouvez pas les supprimer en fait, vous pouvez pas, celui-là par exemple s'il vous gêne, vous ne pouvez pas l'enlever quoi. Par contre vous pouvez rajouter des murs, vous pouvez rajouter des toits, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en fait. Et juste les murs-là, vous n'avez pas le droit de les supprimer, celui-là par exemple vous n'avez pas le droit de les supprimer. Donc voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et essayez de faire pas un truc hyper dur non plus, mais pas non plus hyper simple. Donc vous pouvez faire de tout, terrain communautaire ou pas. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire, que vous soyez doué ou non en construction, peu importe en fait, juste le fait d'essayer d'arranger ça, de participer, etc. Même si c'est un truc complètement loufoque, moi ça me convient parfaitement. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire parce que je me souviens que ça m'avait beaucoup plu en fait pour le défi construction de balai à chiottes. Donc là je me demande vraiment ce que vous allez faire et j'ai vraiment hâte. Donc j'espère que vous serez
un petit nombre à participer et que ce défi construction vous plaira. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!